Oui, je sais. Ils ont déjà été exposés avec un joli manière très imagée de le faire. Celui avec qui j'ai tronçonné, voilà, ensemble ce matin. Je connais, hein, je l'ai dit. On n'est pas dans une situation budgétaire qui est facile. Je sais les efforts qu'on a fait pour l'UNEF. Moi, j'essaye de retrouver avec des perspectives, même si on a un marché du bois qui aujourd'hui fait que l'UNEF. On a un déficit, une difficulté d'équilibre général du budget. Mais moi, je veux compter sur un rebond. Il faut que je débloque en particulier des possibilités de recettes sur les questions de taxes carbone. On a même discuté hier des histoires liées aux agences de l'eau. Bon, moi, pour l'instant, j'essaye de construire et une vision globale sur la question de la forêt, puis la place de l'ONF dans cette vision. On a besoin de développer cette industrie forestière, cette idée de la forêt française qui ne peut pas rester comme elle est là aujourd'hui. Je voyais ce matin, dans la visite que j'ai faite à la Syrie, à la fois les potentiels qu'il y a, et puis la nécessité de s'organiser un peu différemment. Parce qu'aujourd'hui, on exporte des billes je ne sais pas où, en Autriche, en Chine ou ailleurs, on importe du bois, on importe plutôt des meubles après, et on exporte du bois. Donc ça, ce n'est pas possible. Donc on a besoin de construire un projet global. Je donne 6-7 mois pour essayer de bien penser tout ça. Dans ce projet, il faut qu'on ait aussi des recettes de financement. Et dans ce projet global sur la forêt, bien sûr, l'Office national des forêts sera partie prenante. Monsieur Falcone, qui a fait l'amitié de rencontrer les SES Forêts, donc je suis allé voir à Paris, nous demandait d'approfondir un peu les arguments techniques que peut présenter un collectif comme le nôtre, parce qu'on est 46 structures qui mélangent à la fois des responsables politiques, des associatifs et des syndicats, dont moi je représente le syndicat majoritaire à l'ONF, donc dont des professionnels de la forêt. On souffre d'un manque d'écoute des compétences forestières, parce qu'on a spécialisé les missions à l'ONF, donc la gestion forestière multifonctionnelle, est de moins en moins pratiquée par les personnels de l'ONF du fait de cette spécialisation, et les arguments techniques dans lesquels on peut combiner des accords gagnant-gagnant, comme la question du bois d'œuvre feuillu par exemple, qui est vraiment, c'est pas un marché de niche, c'est l'avenir de la filière bois en France, il faut développer l'utilisation du bois d'œuvre feuillu, et c'est comme ça qu'on va relocaliser de l'emploi, que la forêt sera mieux gérée de manière multifonctionnelle. C'est ces arguments-là qu'on veut faire entendre, c'est tout. J'ai parfaitement compris ça. En tout cas, moi, ce que j'ai fait là, les premiers moments, c'était de prendre un peu la mesure de tout ça. Là, je rentre dans une phase où on essaie d'approfondir les questions pour trouver les réponses à ce qui manque aujourd'hui. Parce que j'ai oublié de faire le constat. Je l'ai dit ce matin, vous le dis à vous. On est dans cette situation où balance commerciale 6 milliards de déficit, forêt avec tout son potentiel, une ressource qui est là, mais qu'on ne valorise pas, et qu'on valorise mal en tout cas. Donc il faut à la fois qu'on trouve les débouchés, donc là il faut les construire. Bon, il y a toute la question bois énergie, biomasse, mais aussi surtout tout ce qui est bois d'œuvre, tout ce qui va être derrière bois matériaux, avec les ouvertures qu'on peut faire sur la construction, l'isolation, ça je l'ai demandé tout de suite à Cécile Duflot, parce que je pense que si on lance un grand projet, même si aujourd'hui je sais que le risque, ça sera de commencer par importer du matériau d'isolation qui ne sera pas produit en France, mais il faut qu'on ouvre ces marchés, parce qu'il faut quand même qu'on donne un élan nouveau à cette filière, et dans cette filière, bien sûr, les acteurs, on le sait, comme une forestière, propriétaire privé et ONF. Donc c'est ça l'enjeu. Il faut aussi réembaucher des personnels forestiers, parce que face à 6 milliards de déficit, le peu de masse salariale
que dépenserait l'ONF à embaucher de vrais professionnels qui animeront la filière que vous voulez construire, ouais. C'est vital. Vous êtes d'accord avec moi quand même qu'il faut que je la pense, qu'on pense bien le projet, et après, je pense à l'ONF. D'accord, mais il faut pas oublier qu'il n'y a pas de dogme sur les suppressions. C'est pour ça que je suis allé cet après-midi, enfin ce matin, j'ai regardé les budgets. Allez les voir aussi, ceux qui travaillent dans la forêt, hein, les ouvriers forestiers, tout ça. Parce que c'est marqué aussi, et le respect et le soutien. Voilà, j'ai été avec eux, et c'était aussi une manière de montrer que je m'intéresse à tout ça. Et j'ai envie d'écouter, de comprendre, puis de trouver les meilleures solutions. Le fond du problème, ce qui nous inquiète, c'est une réorientation massive vers le bois énergie. C'est une explosion. Oui, je sais, mais j'entends beaucoup ça. Énergie, les appels à l'enraisinement, les pistes forestières partout, accélérer le rythme de coupe. Non, il faut vraiment que vous pensiez à la multifonctionnalité de la forêt, le développement du bois d'œuvre. Ce que j'essaye de penser, c'est de dire que la multifonctionnalité, elle existe. Mais il faut qu'on pense aussi à la fois à la dimension écologique de la forêt et qu'on redonne aussi une dimension économique. Parce qu'on a laissé penser aussi à beaucoup de gens que la seule question qui était posée, c'est de maintenir de manière patrimoniale une forêt, alors qu'on a besoin, pour la maintenir, d'assurer aussi une viabilité économique. Et si le marché aujourd'hui de la forêt et du bois est dans la situation dans laquelle il se trouve, c'est parce que je pense qu'on n'a pas assez pensé aussi au débouché et à la capacité qu'on avait à valoriser une ressource tout en ayant ce souci économique, écologique. Ça vaut pour l'agriculture, ça doit vouloir pour la forêt. Vous savez, si la forêt est un capital, donc il ne faut quand même pas que la rente mette en cause ce capital de départ. Absolument. Voilà. Gestion à long terme sur le bois d'œuvre, absolument le bois énergie, la gestion court-termiste. Allez, on y va. Merci. Au niveau de l'agriculture, et puis sur des sujets aussi un peu particuliers techniques avec des zones vulnérables, je sais aujourd'hui, mais on essaye de trouver des solutions, ce qui n'est pas facile parce que moi j'arrive à un moment où on est en contentieux avec l'Europe, parce qu'il faut que je trouve un équilibre entre ce qu'on doit donner comme réponse aux questions qui nous ont été posées par la Cour de justice et la Commission européenne, et en même temps préserver les capacités de l'élevage. Merci. Au revoir. Rachel, bon travail.